Donne-moi une volée. Ça va-tu comme tu veux? Non, il était temps que ça se finisse avant que ça aille. Allez, bonjour. Papy, t'as fini, non? On m'en dit, c'est la gaule. Mais, Héloïse, on fait qu'à ma 15. Ça continue, vous allez monter dans votre lait. Il y a de l'école demain. Hé, les cagnots. Voulez-vous écouter une histoire? Une histoire? Quelle histoire? Allez, demande à papy, il n'en qu'une hardie. Ah, Yann, mais quelle histoire que vous voulez que je vous raconte? Tu n'es qu'à nous causer de la sirène. Une sirène? Tu dis quelle là? C'est Ben, dans l'anse de la Freinée, ou le sabotier O'Leary. Tu me l'as souvent raconté. Ah, Yann, ouais, mais je crois que je ne me rappelle pas de tout. Ça ne date pas d'année, hein. Il y avait d'autres fois, dans la paroisse de Saint-Cor, un sabotier qui demeurait de sa femme et ses cagnots dans une faillie hutte. Il y en a corps qui disent qu'on voyait corps la mesure. Mais je ne sais pas qu'on leur verrait corps, parce que les huttes de sabotier ne laissaient rien derrière. Ils n'étaient pas riches, ils n'avaient que les ouvrages. Les pères creusaient les sabots, sa femme l'y aidait du mieux que pouvait, et les cagnots allaient à la pêche le long des rochers. Un jour que les cagnots étaient sur les rochers à essayer de prendre du poisson, il vit un biochamp qui venait de la mer. Il regardait au loin pour voir d'où ça venait, et puis il vit un gros poisson qui nageait dans les vagues en chantant. Et autour de lui, l'eau brillait tenant, si fort que l'eau brûlait presque les yeux, comme les soulas. « Papa, maman, venez donc voir. Dans l'anse des ports au moulin, il y a un gros poisson qui brille comme de l'or. » Quand il arrivait au bord de l'eau, il vit les poissons qui jouaient dans les vagues et qui sautaient à plus de 3 pieds de haut. « N'est pas un poisson, » dit le sabotier, « et une personne. » « Je crains bien qu'il y ait une sirène. »« Ah, lui répondit sa bourgeoise, il faut apprêter les lignes. Ventez bien que tu pourras la prendre, parce que je voudrais bien la voir de plus près. »« Mais ils avaient bien boueté, les poissons ne se laissaient pas prendre. »« Mais ils l'ont tisoï, détail. »« Attendez. » Sabotier songeait souvent aux bio poissons, et il se demandait comment qu'il allait bien faire pour l'aider à aller de l'io. Un jour qu'il se promenait au bord de l'eau, il vit la sirène sur le bord des vagues. Mais à qui ressemblait-elle? Elle n'était pas plus grande que ça. Les hauts de son corps étaient comme celui d'une femme, avec des bionichons bien drés. Mais à la place des jambes, elle avait des nageoires et une grande queue comme un poisson. Sabotier, lui, il n'avait jamais rien vu de même. Il se mit à l'eau. Et sans bruit, il a perché pour la prendre dans son filet. Ah, sabotier, remets-moi dans l'eau et je te protégerai, toi et ta famille, aussi longtemps que je pourrai. Non, ni que lui répondit le sabotier, il y a trop longtemps que je t'ai dit, je vais te porter à la hutte et là, tu n'auras qu'à chanter une chanson. Et si ma femme veut bien, je te ramènerai dans l'eau. Il lui chie à sa femme qui avait nom O'Leary. Philippe! T'es où? O'Leary, viens donc va et amène les cagnots. J'ai la chanteuse dans ma magne. La bonne femme a couru tout été et a se mis à regarder la sirène. On me demande de la remettre dans l'eau. Veux-tu bien? Ah non, Nicole, que lui répondit. Et un bio poisson à manger? Ah, Damien, ça doit être bon en soupe. Ah, non, ma patience, il ne veut pas la manger tout comme. Mais elle ne va pas se faire. Ah, Nanny, comme tu dis, la sirène lui dit que s'il a mangé, eh ben, il n'aurait plus rien à manger après. Dis au sabotier, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Mais ramène-moi dans l'eau et grand temps, je me sens foyer. Pour finir, il est parti dans la mer sans songer à rien lui demander. Quand on ressentit le frais de l'eau, on l'éclatit de rire et on dit au sabotier
Si que tu voudras à ce tour. Il t'a si pauvre qu'il y dit « Juste du pain et du poisson ». La sirène ne répondira. Au sauté trois fois sur l'eau et au dit au sabotier « À santé, Vau, t'as quand t'es bon demain. Quand t'auras besoin de poisson, n'oublie pas le rivage qui est là. » Démaisé, toutes les fois que le sabotier et ses cagnots allaient à la prêche, ben ils pernaient hardi de poisson. Et après? Où est-il venu? Ben, là, au voyage. Eh ben, durant un an de temps, il n'en revit pas. Loup-bourse diminuait, et puis il diminuait, puis il pensait à Yel. Et puis un jour, dès là, il a ouï qui chantait. Il a couru de vite, parce qu'il était bien content de leur vau. Et puis, lié autour de la sirène, brillait comme d'autres fois. Le sabotier lui dit, « C'est bien content de vous, vau. J'ai plus ni pain ni argent. » Déplier ses nageoires et battilio autour des Yel. Les éclaboussures d'or et d'argent et recouvrit tout le rivage. Waouh! Tu ne vas pas la manger. Eh ben, garde le bas parce que tu n'es pas près de Mervao. Je quitte les poils et je m'en vais en Inde. Et la sirène s'en allie et plus personne ne la revit ni ne l'a ouï chanter. Sabotier et sa femme vêturent vieux. Yel vêtu jusqu'à 115 ans et lui jusqu'à 125. À l'eau mort, il décide à nos enfants la cabane et la guénochée de la sirène. Elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis. Emma, je sais bien qui sont devenus. Ah bon? Marion, la petite fille s'est mariée pas loin d'ici. Un soir d'automne, un curé rentré bourré du bistrot quand il vit une dame en voiture, à cheval. Lui, il marchait pas très drette. Il était blanc comme une barrique. Alors la dame, les filles montaient en voiture à cheval et lui dit de même. Ça suffit. J'ai senti que celle-là, j'aurais du mal à sortir. T'as lancé le son, en fait? Ok. Toujours fait l'écho. Elle est connue. Ah non, c'est 5 secondes, c'est bon. Bah, attends, juste parce qu'il y a une voiture, là. L'histoire. Tu fais capuler ton boîte à culottes. C'est bien. Kenyo. Kenyo 2. Ah, c'est moi. Ah oui, bon, on l'a refait. Attends, cache ta culotte, Juliette. Mets ta jupe. Et qui était bercé sur le bord des vagues. Non, je l'ai complètement. Souriez un peu. Avec les dents. Lâche tes cheveux un peu, Juliette. Regarde le pépé. Philippe! j'ai pas compris ce truc-là dans les. C'est parce soir. Que c'est. Philippe! Je sais où tu te caches! Bien. Oh merde, j'avais pas fini. Faut enlever les. Ouais. Attends deux secondes. Ouais. J'ai dit. Oh merde, c'était bien, c'était bien. Elle était bien. Nous aux autres aussi. Bah voilà, j'avais dit, hein. C'est foutu. C'est foutu. Ouais. Emma, je sais bien. Oh, attends. Je sais bien qui sont devenus. Attends. Ouais. C'est ça. Lunettes. Action. Action. Alors, non.
Vous lui dites top, ouais. Allez, tu répètes après moi. Quand je dis et après, tu répètes, d'accord? Voilà. Et allez. Tu regardes le monsieur. Voilà. Voilà. Ok. Allez, silence, 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 silence. Donc, il n'y a pas d'oxy. Donc, tu regardes le papy. Attention à ta culotte. Voilà. Waouh. Waouh. Top, top, top. Ah, il cache ta culotte. C'est marré par là, pas loin d'ici. Je m'en rappelle plus. Mais t'as pas vraiment versé là, si? Non.